Le 19 mars, l'honneur, le salut du comité central de la garde nationale fut de n'avoir qu'une pensée. Rendre le pouvoir à Paris au peuple. Ces sans-nom ont su limiter leur programme aux revendications municipales. Amener la population entière aux urnes. Citoyens, notre mission est terminée. Nous allons céder la place dans votre hôtel de ville à vos nouveaux élus. Nous voulons non seulement le conseil municipal élu, mais des libertés municipales sérieuses. La suppression de la préfecture de police. Le droit pour la garde nationale. Dimanche 26 mars, c'est un renouveau. Paris respire comme au sortir des ténèbres. Les rues sont vives, les cafés bruyants. À Versailles, les rues sont sinistres. Les gendarmes tiennent la gare, exigent brutalement des papiers, confisquent les journaux parisiens. Au moindre mot de sympathie pour Paris, on vous arrête. Le suffrage universel a légalisé le drapeau rouge de l'émeute. Les membres de la municipalité parisienne vont siéger pour la première fois depuis 1793. Cette fois, nous avons la commune! Vive la commune! Yeah.